Fantasia, Fantasia! Caprice, vous ici? J'ai trouvé un moyen de désarmer votre père. Mais comment? Il vous reproche d'être amoureuse, n'est-ce pas? Eh bien, cette pomme qui a éveillé votre cœur, j'en ai tiré un élixir d'un certain effet. Le voici. Il faut que le roi en boive et nous serons sauvés. Mais comment faire? Je ne sais pas, mais je trouverai bien un moyen. Quelle brillante idée! Je le vois qui arrive, cachez-vous vite! Et cette pauvre Fantasia qui est décidément incurable. Je suis résolu à m'en débarrasser. Oh, vous en débarrassez, vous allez là. Ah non! Mais non! Je vais la vendre! La vendre? Combien? La vendre! Oui, la vendre au marché. C'est la coutume sur la lune. Quand une femme a cessé de plaire, eh bien, on la vend. Oh non, mais j'en sais mœurs, mais vraiment. Oh là 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 là. Caprice, Caprice! Je suis là, chère Fantasia. Me vendre, mais c'est indigne. Au contraire, il faut les laisser faire. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais comment? On va vous vendre, bien sûr, mais c'est quelqu'un à moi qui vous achètera. De mon côté, je serai au marché et, grâce à mon élixir, nous rendrons Cosmos amoureux. Allez, rendez-vous au marché. Tout ira bien. Adieu. Allons, messieurs les acheteurs, autour de moi que l'on s'amasse, j'en ai de toutes les couleurs. Regardez, achetez, regardons, approchons, regardez. Accourons tous et pêchons-nous, accourons tous et pêchons-nous. C'est le marché, c'est le marché. Ouf, j'ai couru. C'est qu'il s'agit de repérer les lieux. Mon jeune maître m'a chargé d'acheter la princesse Fantasia. Mais qui est-ce qui arrive là-bas ?